Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Edor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se passer dans une ambiance lumineuse et sonore malheureusement un peu inférieure à celle des précédentes vidéos. Donc ici il s'agit de la review des trois réflecteurs ensemble, enfin Refractor Siege Deluxe. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a tous les trois ensemble? Je sais que la première vidéo donc sur Refractor durait 30 minutes, ici ça risque, je sais pas, peut-être d'être moins long si j'ai pas spécialement envie ou... On verra, en tout cas j'ai des trucs à dire dessus. Donc ben déjà les trois boîtes sont les mêmes, donc on peut les dégager sur le côté. Voilà, parfait. Et donc nous avons ici les trois réflecteurs. Donc comme vous voyez évidemment, le décor n'est pas le même. Et oui, j'ai changé. Mais ça reviendra peut-être à un moment... parfois avec l'ancien décor, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'il est important, normalement, c'est la présentation des figurines qui est importante. Et donc, nous avons ici les trois réfractors. Vous pouvez remarquer que sur les côtés, les deux extrêmes, donc sur les côtés, ne sont pas pareils que celui du centre, tout simplement parce que j'ai pris la pièce au milieu et je l'ai mise à l'arrière. Et oui, on peut la stocker en arrière, donc je vais vous montrer ici sur Spectro. Je vais vous expliquer un peu après. Donc... on a cette pièce-là qui peut aller ici, pas ici, là c'est 1.5 mm, mais seulement ici, ou aller ici, et donc comme ça on a deux versions, on va dire, à peu près officielles. Mais donc normalement, dans l'équipe de réflecteurs, il n'y en a que deux, comme ça, deux ainsi, et un seul avec la focale au milieu. Enfin, j'appelle ça focale parce que ça va plus vite. Et donc on a ici Spectro, Viewfinder et Spyglass dans l'ordre qu'ils apparaissent sur l'appareil photo final, parce qu'ils se combinent en appareil photo. Donc sur l'appareil photo final, Spectro à gauche, Spyglass à droite, les sonorités sont un peu les mêmes, Viewfinder au centre, parce que c'est le seul qui ne commence pas par un S, parce qu'il a le truc pour rechercher, pour regarder normalement, d'où le nom Viewfinder. Voilà, donc nous avons ici trois robots qui sont absolument identiques avec les mêmes accessoires, donc une arme et un bouclier pour chacun, et donc les trois mêmes robots. Alors je vous disais tout à l'heure que je manipulais Spectro, c'est parce que j'ai un petit moyen de les différencier chacun, même s'ils n'avaient pas ce petit truc là au milieu. Pour Viewfinder, c'est celui que je vous ai présenté dans la review, on peut le voir parce qu'il a un petit point de peinture ici, un peu plus épais. C'est ce qui me... enfin, quand je l'ai eu, j'ai remarqué ça, et aucun des deux autres ne l'a. Et au niveau de Spectro, on a un œil qui a un petit peu d'argenté, enfin une petite, toute petite tache argentée ici, alors c'est pas bien grave, mais ça me permet comme ça de le remarquer. Et Spyglass, de son côté là, a cette ligne-là, je sais pas pour l'autre côté, j'ai pas vraiment vérifié, mais bon, cette ligne-là qui n'est pas exactement dans la... enfin, qui dépasse un peu sur la rainure en dessous de laquelle elle devrait être, ce qui est partagé par Viewfinder mais pas par Spectro. Donc comme ça, ça me donne des éléments tout simplement pour les différencier, ce qui est toujours agréable quand on est quelqu'un comme moi qui n'aime pas du tout mélanger ses figurines même quand elles sont identiques. Voilà. Et justement, parlant des différences entre Spectro, Spyglass et Viewfinder, j'ai eu ces trois là, donc les deux ici avant-hier par rapport au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a à peu près une semaine et demie par rapport au moment où sort la vidéo, et celui-ci il y a plus d'un mois. Et les articulations sont quand même beaucoup plus lâches sur Viewfinder que sur les deux autres, et oui, on peut voir une dégradation des articulations. C'est pas non plus jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, tenir debout, ils restent quand même très bien, excusez-moi, mais... quand même, ça reste un peu dommage. Et donc nous pouvons ainsi combiner ces trois robots en un seul appareil photo, donc ce que je vais montrer maintenant. Donc les trois transformations sont un petit peu pareilles, enfin quasiment pareilles, mais il y a des différences pour chacun. Donc déjà je vais écarter les accessoires. Je vais prendre ici Spyglass pour le moment. Je vais écarter les deux autres. Et oui, c'est bel et bien Spyglass. Et donc... on va commencer par enlever cette pièce-là, ce qu'on pourra faire sur chacun quasiment. On verra après. Donc sur Spyglass, moi j'enlève cette pièce-là, jamais sur le côté.
On commence par rentrer les mains, donc on a un axe ici, on va juste venir rentrer les mains à l'intérieur comme ceci. Pareil là, on rentre comme ceci. Voilà, on prend la tête, on la tourne entièrement et on la ramène comme ceci dans le dos. Voilà, on prend les bras et on les ramène comme ça vers l'arrière, comme pour aller en mode alternatif. Sauf que là, on prend les bras, enfin les avant-bras et au lieu de les mettre dans ce sens-là, on va les mettre dans l'autre sens, donc ainsi, et on vient les ramener entièrement comme ça, donc sur les deux axes, ainsi et ainsi, comme ça. Pareil ici, ainsi et comme ceci, voilà. On vient ensuite prendre le bassin et le retourner entièrement, comme ceci. On vient ensuite prendre les jambes et les retourner entièrement, ainsi. Voilà. Et là, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ne sert absolument à rien, étant donné que les jambes n'ont pas de keyball à l'intérieur ou à l'extérieur qui pourrait les permettre de les différencier. Le seul truc, c'est ça. Et bien si, justement, il y a des trucs qui permettent de les différencier, c'est les tabs, ici, qui auraient été peut-être un petit peu gênants, comme ça. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est ouvrir tout simplement les skis, comme ça, et on va ramener entièrement la jambe, ainsi, avec la main, enfin l'avant-bras qui va revenir à l'intérieur de la jambe, c'est pour ça que c'est complètement creux. Voilà, donc on met comme ça, et on vient refermer ainsi, et on peut appuyer dessus parce qu'il y a une petite languette qui va venir se mettre dans le trou qui est ici. De ce côté-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a donc, on fait la même chose, mais on a ainsi un tab pour le mode alternatif qui va venir se prendre à l'intérieur du petit picot d'effet de tierce qui peut être un peu compliqué. Là, ça vient de clipser, mais pour déclipser, ça fait très très peur. Donc ensuite on vient refermer ça, et on referme les skis des deux côtés, et on a ainsi une boîte. On peut faire pareil avec les deux autres. Je vais mettre Spyglass de ce côté-là. Et les voici donc transformés. Alors pour Viewfinder, vous pouvez voir que j'ai laissé la focale ici, parce que c'est mieux, je trouve que c'est le meilleur endroit pour le laisser, surtout comme ça, ça le laisse dessus, et ça permet de différencier Viewfinder des autres, ça restera toujours dessus maintenant pour ma part. Et pour Spectro, je prends cette pièce-là et donc je la mets ici. C'est le même emplacement qu'en alternatif. On verra après pourquoi. On peut donc maintenant retourner les deux sur les côtés et venir tout simplement les assembler comme ça. Alors, on a un pec 5 mm et un trou 5 mm là, qui sont donc évidemment les mêmes de l'autre côté. Et des pecs qui ne sont pas exactement 5 mm, donc avec un trou ici et là. Voilà. Et donc comme ça, on vient tout simplement assembler dedans. Et ça tient vraiment très bien, ça va pas tomber d'un cran, enfin ça va pas bouger, c'est vraiment solide et ça fait plaisir. Excuse-moi pour le bruit à côté. Donc ensuite on fait exactement pareil de l'autre côté, ainsi, et on a la majorité de l'appareil photo de fait. Et pour le moment ça ressemble pas à grand chose, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails. On va pouvoir mettre ça à côté et ramener donc maintenant tous les accessoires une nouvelle fois sur la table, donc comme ceci. Avec le rond qui vient sur Spyglass. Donc, on va commencer avec les armes. Donc, pour les armes, on a un peg ici. Excusez-moi, un peg ici et un trou là. On vient mettre comme ça. Et on a aussi un peg là qui va venir se mettre à l'intérieur du trou, comme ça. Et ainsi, on en a déjà deux. Plus qu'à mettre le troisième, tout bêtement, comme ça. Et nous avons le trépied. Plus qu'à prendre donc la focale et nous avons trois trous. On va... excusez-moi, on va mettre les différents picots ici, dans les trous, pour sécuriser le tout. Ensuite, pour les boucliers, on va les assembler pour faire l'objectif. Donc on vient simplement les poser comme ça. Alors, je comprenais pas trop comment ça pouvait tenir quand je regardais des reviews. En fait, c'est donc qu'on a un tab ici qui va venir se positionner à l'intérieur là. Et donc, ces deux petits trucs vont s'interloquer, enfin, juste se positionner l'un avec l'autre un petit peu, comme ceci. Et donc là, faut pas appuyer, faut pas hésiter à appuyer sur les pièces pour que ça se tienne bien. Voilà. Pareil avec le troisième. Et donc, on a comme ceci. Si on appuie bien donc partout autour, on a l'objectif qui est fait avec donc les trois morceaux de plastique transparent qui étaient faits au milieu. Et je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est absolument génial d'avoir comme ça trois boucliers qui forment l'objectif. C'est super. Surtout qu'on a pas mal de détails, je montre maintenant, comme ça on pourra, enfin ça sera fait. Donc avec la ligne rouge qui continue partout autour, et des crans ici comme des molettes pour régler le tout. Voilà. Donc on vient ensuite prendre les trois robots combinés.
On a des ports en dessous, donc un en dessous de chacun, ce qui paraît normal. Et on vient mettre ici le trépied, comme ça. Et ensuite, donc, nous avons des trous sur les côtés de la vitre, donc ici et là, vous pouvez les voir. Et donc, on va mettre les pegs qui sont à l'extérieur, comme ceci. Et donc, on a des encoches ici qui servaient pour mettre les côtés du bouclier en mode alternatif, qui vont permettre de tenir encore plus le tout, donc ainsi. Et nous avons le mode appareil photo de terminé, et je préfère terminer avec un petit truc comme ça pour faire le flash. Et je trouve qu'il est absolument magnifique. Pas parfait évidemment, parce que bon, aller faire un appareil photo parfait à partir de trois robots qui sont vendus séparément et qui donc de fait doivent être identiques, c'est pas forcément facile, mais je trouve quand même qu'il est magnifique. Les couleurs déjà sont très bien, j'avais déjà dit sur la review de Reflector, j'en suis sûr, mais c'est génial. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Très beau, avec le plastique transparent ici, l'argenté, du vert, le violet qui est très bien, le violet plus pâle ici qui est très doux, je trouve. Du rouge et de l'argenté ici, de l'argenté là et là pour faire, ben là ça fait le flash du coup. Donc ici ça fait finalement le bouton, donc comme ça pour vous prendre en photo. C'est plutôt sympa. Le trépied formé des armes, je trouve que c'est absolument excellent, c'est une superbe idée. Et surtout, petit truc que je n'ai pas montré, que j'en ai pas de photo, mais le trépied, vu qu'il vient en dessous de cette pièce-là, donc le bassin, ça peut servir de tabouret pour les réflecteurs qui tiennent donc dessus comme il faut. Et je trouve que c'est un petit truc sympathique. Voilà, donc on a aussi à l'arrière les vitres qui peuvent servir comme des écrans, mais après ça fait plus écran au milieu que ça, à vrai dire. Et donc ici, pour faire le bouton ou réglage d'un truc, sachant que normalement les réglages peuvent être aussi à cet endroit-là. Voilà. Ben, en fait, je trouve qu'il est absolument génial. Il y a des défauts, évidemment. On voit quelques trucs. On voit le torse, normal. La tête, les têtes sont cachées, ce qui est bien. On voit évidemment les jambes et les pieds, surtout. Pieds qui sont là. Mais à part ça, je trouve qu'il est vraiment super bien. Alors, il y a un autre accessoire que je stocke habituellement sur cet appareil photo. Il s'agit de ceci. Cet accessoire-là, allez voir ma review de Soundwave si vous voulez savoir ce que c'est. C'est tout simplement le troisième accessoire qui vient avec lui. Ça lui permet de faire une sorte de gros lance-missile ou un truc comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a jamais été forcément très utile, mais je l'utilise avec Reflector, donc je le range tout simplement comme ça. Il y a des ports 5 mm derrière, et justement avec ça, ça ne se voit pas. On peut aussi faire comme ça, mais ça ne sert absolument à rien. Mais donc voilà, on a ça, et cette pièce-là, à quoi me sert-elle? Eh bien, tout simplement, si on vient enlever l'objectif, on peut venir mettre ça dans une des trois poignées qui sont donc toujours accessibles avec un truc un peu long, et ça permet simplement de faire un énorme canon. Voilà, je sais pas si vous appréciez l'idée, en tout cas moi j'adore, je suis très content d'avoir trouvé ça et surtout très content d'avoir Soundwave pour pouvoir utiliser cette arme là. On peut aussi évidemment l'ouvrir comme ça pour faire un truc un peu plus long, ou je sais pas, soit une arme un peu plus longue, soit un truc comme ça, ou un truc pour mettre des armes après dessus, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tout cas, c'est quelque chose donc que j'utilise avec les trois réflecteurs, parce que je trouve que ça va bien, en plus ça leur fait des armes en plus, sachant que Soundwave n'utilisera jamais cette arme-là, je vois pas du tout à quoi elle peut servir comme ça avec Soundwave. Voilà, donc on peut passer aux comparaisons à présent. Alors je sais que ça peut paraître débile de comparer un appareil photo avec d'autres Transformers qui eux seront en mode robot du coup, mais quand même je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous donner un peu une idée de la taille, parce que ça reste quand même 3 de luxe à côté d'un Voyager. Ben ça fait grand, mais pas si grand que ça. Voilà, évidemment il y a le trépied pour donner un peu de hauteur, il y a l'objectif qui en fait à partir de 3 plaques quasiment donne un truc qui est en volume, donc ça donne pas mal, mais surtout les réflecteurs se combinant en cube, ça fait pas la taille que pourrait faire 3 Deluxe par exemple combiné en un grand robot. C'est vrai, mais en même temps ça reste un cube quand même assez grand, enfin un cube, un pavé mais assez grand. Voilà, alors pour le mettre derrière, ça peut être sympathique pour prendre des photos par exemple, parce que j'aime bien faire des scènes justement avec Soundwave qui va être derrière euh, qui va
derrière l'appareil photo pour prendre par exemple des photos de propagande. Donc je me suis surtout amusé à mettre Starscream devant dans des poses un peu bizarres, mais avec Soundwave et Megatron devant qui fait des trucs de propagande, je trouve que ça donne très très bien, même si évidemment en réflectant normalement on n'aurait pas besoin de quelqu'un pour presser la détente, mais bon, Soundwave pourrait juste faire être là pour la communication. Et justement, je vois Soundwave comme, comme le supérieur direct de Reflector. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que les Decepticons Siege ensemble donnent très très bien. Coucou les Earthrise. Mais donc, ils donnent ensemble très très bien. Et donc, Soundwave, qui se charge surtout de la communication, pourrait se servir pourrait avoir Reflector sous ses ordres pour pouvoir faire de la propagande, justement, et diffuser les informations, ou tout simplement faire accompagner les informations d'image. Alors, dernier point sur lequel je voulais venir concernant ce réflecteur-là, c'est qu'il est très très lourd. Enfin, très lourd. C'est pas non plus comme s'il était fait à 70% de métal, mais il est quand même très lourd et quelque chose qui vient de Siege, enfin des gammes récentes, ça fait bizarre. Quand on enlève le trépied, c'est encore pire parce que ben, du coup, il y a moins de volume. Mais il fait vraiment lourd parce que du coup, c'est 3 de luxe mais qui sont comprimés. Tous les 3 sont comprimés, les jambes sont complètement rempli, il n'y a pas d'autre place du tout ailleurs, vu que dans la tête est déjà à l'intérieur, il n'y a rien, enfin, c'est vraiment un transformer, ce qui est plein, à part du coup pour l'objectif, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très bien, ça donne une impression de lourdeur, de poids qui rend bien, tout simplement. A noter aussi qu'on a des pegs 5 mm du coup ici et là, alors on a les ports 5 mm pour faire des trucs si on veut, mais les pegs 5 mm sont très utiles, par exemple si vous avez Optimal Optimus Power of the Primes Leader Class, parce qu'il a des pegs sur les pouces, donc il peut venir simplement tenir comme ça le mode appareil photo. J'ai essayé hier et ça donne pas trop mal, alors évidemment c'est hors contexte, enfin hors univers, mais ça reste une scène que vous pouvez faire par exemple. Ah, voilà, c'est mieux, c'était un peu d'effet. Mais donc voilà, est-ce que je recommande ce réflecteur? Absolument, complètement. Et évidemment, après, ça coûte le prix de 3 de luxe. Mais franchement, le mold est génial, j'adore ce mold, j'adore ses couleurs. Les deux transformations sont cool, même si le premier mode alternatif simple ne correspond pas à tout le monde, je trouve que c'est génial. Et je ne vous ai pas fait de scène, parce que en fait, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, c'est pour ça que j'arrête souvent. Mais je vous ai pas fait de scène avec les 3 réflecteurs, mais c'est absolument génial, vous pouvez vous amuser avec. En plus, si vous avez un weaponizer à côté, moi j'ai Cog, je me suis fait une sorte de super robot avec, c'est génial, franchement, avec les ports 5 mm et les pegs 5 mm surtout qu'ils ont un peu partout, c'est excellent. Ils peuvent aussi faire un mode main, vous l'avez sans doute déjà vu, un mode main comme Megatron RID, justement, j'ai pu m'amuser à faire une main gauche avec Reflector et une main droite avec Megatron RID, ce qui était super sympa. Mais donc voilà, je vous conseille très très fortement ce réflecteur, enfin ces 3 réflecteurs, ils sont géniaux. Voilà. Et la review d'ailleurs était très courte, mais c'est parce que ils sont tellement géniaux que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et puis comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de batterie avec mon appareil photo, donc je dois finir assez vite. Donc c'était la deuxième review de Refractor Siege, donc la review de la combinaison entre Refractor et Refractor, donc avec Spectro, Spyglass et Viewfinder, si vous voulez des noms qui se rapportent plus à la G1, enfin au jouet G1, plutôt qu'à la gamme Siege en particulier. Je vous conseille très très fortement ces transformers parce qu'ils sont absolument géniaux, si vous pouvez les trouver, et si le mode alternatif simple ne vous dérange pas, après je vois pas pourquoi ça vous dérangerait si vous ne vous intéressez qu'au mode caméra, ils le font, enfin ils font le mode caméra, c'est déjà bien, c'est pas un problème d'avoir un mode alternatif en plus, je trouve que c'est même mieux, surtout que ça ne rajoute aucun keyball, absolument pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui malheureusement ne se fait pas dans les conditions habituelles, c'est parce que je voulais la sortir avant que la vidéo de Refractor ait été faite depuis 6 mois. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des vidéos de meilleure qualité, il y a un très très gros projet qui va venir assez bientôt, je pense et j'espère. Voilà, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties en termes de Transformers. Coucou Earthrise une deuxième fois. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéos de Transformers que tu retrouves juste après ou juste en dessous en description. Et voilà, donc on devrait normalement se retrouver dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, allez salut.